Donc, mon nom, c'est Léa Lissignaille. J'ai gradué cette année de l'école de Jean-Jacques Bertrand. Là, j'étais vraiment contente, j'étais vraiment émue. Surtout quand j'ai appris que c'est mes enseignants qui m'ont choisi, c'était vraiment un beau cadeau pour moi. Le principal, c'est son implication. Aussitôt qu'on avait besoin d'aide dans quelconque comité ici à l'école, Léa était toujours présente. Elle levait la main et elle était prête à nous aider. Comité du bal, comité des photos. Je sais qu'elle s'est impliquée aussi dans les autres années de son secondaire. Puis aussi, ben, sa présence en tant qu'élève, elle est fun à côtoyer, elle est discrète, mais leader en même temps. Donc. J'ai été animatrice pour les secondaires 1 du programme du PAI qui rentre à l'école. Donc, j'ai été là pour les inclure, pour les intégrer, leur expliquer le programme. Ensuite, je me suis impliquée dans les photos de l'album de finissant. Je me suis impliquée dans la création de l'album, pour le comité du bal de finissant. J'ai coaché, j'ai enseigné le flag football aux petites de secondaire 1 et j'ai aussi participé au flag football en 5e secondaire avec mon équipe que je suis depuis le début. Et j'ai aussi fait création qui est la troupe de théâtre de l'école. C'est qu'elle n'a pas peur de s'impliquer. Parce qu'elle pourrait décider de laisser de côté certaines affaires pour se concentrer sur ses études, puis elle est capable de gérer les deux à la fois. Mais elle a une belle gestion de son temps. Ma grande source d'inspiration, c'est vraiment ma famille. Là. Ça peut paraître quétaine dit comme ça, là. Mais par exemple, ma mère s'est vraiment impliquée partout à l'école. Donc moi, je voulais quand même un peu poursuivre dans ses pas. Puis mon père, contrairement à lui, il n'a pas pu terminer son secondaire comme qu'il l'aurait voulu. Donc, mais il était bon, tu sais. Il aurait quand même été bon pour faire tout ça. Il aurait tout voulu faire ça. Donc en le faisant, tu sais, je savais que ça le rendrait fier. Ben, j'espère que j'ai réussi avec mes petites filles de flag football et avec la troupe de création de prouver que même si, peu importe dans le programme que t'es, si t'as envie de t'impliquer, tu peux le faire. Puis de surtout de pas attendre à être en secondaire 5 pour le faire parce que moi, des fois, j'étais plus gênée. J'avais peur de l'opinion des autres. Être dans plusieurs comités, c'est être avec plusieurs types de personnes différentes. Puis des fois, ces deux types de personnes ne s'entendraient pas bien ensemble. Et moi, j'ai été la preuve que peu importe si t'as un grand cœur, si t'es prête à t'ouvrir aux autres puis à les écouter, tout le monde peut bien s'entendre. Fait que j'espère vraiment que les plus jeunes vont pouvoir faire ça puis être ouvert d'esprit à parler à tous ceux qui sont dans tous les comités différents. Les gens vont se souvenir de Léa comme une personne qui fonce dans ses projets et dans ses passions. Donc, c'est un bel héritage qu'elle laisse sur les gens qu'elle a côtoyés. Troupe d'art dramatique parce qu'on est vraiment des gens de tous les styles différents. Moi, je suis plus un peu sportive, mais t'en as qui sont vraiment dans la création, mais que là, j'ai vraiment tissé des beaux liens. Puis des fois, on parlait de sujets, puis on était vraiment ensemble, on se tenait solide, on se tenait les coudes.